La capitale de la Macédoine du Nord sous un épais nuage de pollution. Des événements sportifs annulés, le secteur du BTP limité à un temps de travail réduit. Voilà des mesures d'urgence prises par les autorités à Skopje et dans trois autres villes du pays, après que le niveau de pollution ait dépassé 28 fois le niveau maximal établi par l'OMS, un air qui devient irrespirable pour beaucoup de résidents. Mon nez me pique, dit cette dame. Je porte mon masque régulièrement. Je ne sors seulement quand j'en ai vraiment besoin pour chercher mon fils à l'école, par exemple. Et c'est tout. Ça ne sent pas bon, se plaint cette autre dame. En plus des problèmes de toux et rhume qu'on a déjà. En effet, ceux qui souffrent d'asthme notamment sont les plus vulnérables, tout comme les sans domicile fixe qui bénéficieront d'abris mis à disposition par le gouvernement. La pollution industrielle et automobile ainsi que le chauffage au fioul seraient les causes de ce nuage de fumée, un phénomène qui hisse la capitale Skopje au rang de troisième ville la plus polluée au monde.